Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour l'épisode numéro 27 de la ferme belge. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Allez, je vais voir où est Laurent là, parce que normalement il doit partir emmener la faneuse au concessionnaire, parce que le concessio va nous la reprendre normalement, parce qu'on en a acheté une nouvelle, une plus grande, une mieux, parce que celle-ci, bah, elle commence un peu à être vieille, et un peu petite surtout. Donc du coup, faut que je dise à Laurent de l'emmener tout de suite là, parce que sinon il va être en retard. Hop, alors, est-ce qu'il est là avec la faneuse? Ouais, Laurent! Ouais. Ouais, t'as vu l'heure? Ouais, attends, mais là je finis, là c'est compliqué, hein. Ok, ben non, c'est pour pas retarder le concessionnaire, hein, parce qu'après, lui il a son ouais, planning aussi, donc il va pas être content s'il est en retard. Ouais, je vais partir là. Ok, ça marche. Ouais, t'inquiète. Et donc tu reviens avec la nouvelle faneuse alors? Ouais, c'est pareil. Ouais, normalement elle doit être prête, elle doit être au concession, donc tu déposes celle-ci, le gars sera peut-être là, tu déposes celle-là, ouais, et puis. Je pense qu'il sera là. Hein. Et puis tu reviens avec la nouvelle. Ouais. Bah, ouais, ça marche. Je te laisse à tes occupations. Ouais, bah moi je vais pailler un petit peu là, les vaches et tout. Ouais, ok. Ouais, nickel. Et le concessio après, enfin si tu le vois, tu pourras lui dire que faudra qu'il reprenne l'enrubaneuse et la presse, vu qu'il va nous apporter notre nouvelle presse normalement. Ouais, ok. Je crois qu'elle doit arriver aujourd'hui ou demain. Mais tu sais qu'il va venir ici, donc... Ouais, c'est lui qui l'emmène, ouais. Ouais, bah tu le diras, enfin. Ouais, ça marche. Bah de toute façon, je pense que je serai là, donc il n'y a pas de problème. Ok. Bon bah j'y vais alors, je vais pas y aller. Ok, nickel. Ok, donc ça c'est parfait. Donc comme ça lui il va emmener ça là-bas. Et puis revenir avec notre nouvelle faneuse. Donc on avait commandé une crone. Je crois on a c'est une 11 mètres qu'on avait commandé, donc ça va être pas mal. Donc, moi je vais prendre le gaz, hop je vérifie juste que tout est bien attelé. Ouais, la prise de force, nickel. La paille elle est dedans, la botte elle est dedans. Hop, on va juste attendre que Laurent passe. Voilà, nickel. Hop, allez, on va monter dedans. Alors, on va baisser ça, et on va le démarrer. Parfait. Alors, on va lever la presse. Non, ça c'est la masse. Voilà. Je vais ouvrir le carreau de derrière parce que comme ça ce sera mieux, j'aurai une meilleure vision. Quoique ça va toucher un petit peu, je vais refermer. Comme ça, ça évitera que je prenne de la paille sur moi. Donc c'est parti. On y va. Tac. Donc on va aller commencer par pailler les vaches, parce que les vaches, elles ont plus du tout de paille, donc on va aller leur mettre ça tout de suite. Hop. Donc aussi, ouais, on a commandé donc une nouvelle presse que j'ai vu. Enfin, Laurent avait vu ça sur un site, là, sur Internet, elle était en promo. Il y avait une petite promo dessus. Il y allait la voir au concessionnaire parce qu'il y avait un modèle en expo. Et il l'a trouvé vraiment super. Alors du coup, je lui ai dit, bon allez, soyons fous. On peut pourquoi pas investir dedans. Donc du coup, normalement, le concessionnaire doit nous l'apporter aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien fonctionner? Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je rentre à l'intérieur. Ce sera plus pratique. Hop là. Normalement, ouais, ils doivent nous l'apporter aujourd'hui ou demain. Je sais plus si ce qu'ils m'avaient dit. Hop, je vais rentrer par là. Tac. On va se mettre bien. Nickel. Comme ça, on va pailler un petit peu parce que là, les vaches, elles ont plus de paille du tout. On les a écurées il y a pas longtemps. Donc c'est tout propre. On va leur mettre de la paille toute fraîche. Voilà. Nickel, ça paille. Parfait. Donc ça marche. On va essayer d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Il n'y a plus de bottes. Allez, je vais aller en recharger. Normalement, j'en ai deux auto-télescopiques. Donc on va aller recharger tout ça. On va attendre que la porte s'ouvre. Parfait. Allez. Ouais, Benji. Ah, t'es déjà de retour. Alors attends, je vais ouvrir la porte parce que je t'entends mal. Ouais, t'es de retour. Alors t'es arrivé avec la faneuse? Bah ouais, tu peux la voir là de l'autre côté. Ah ouais. Ok.
Ah, attends, je vais descendre. Donc ouais bah vas-y descends, je te laisse descendre. Attends, je descends la pailleuse. Voilà, nickel. Ouais. Alors, Ouais qu'est-ce qu'il dit? bah tu sais normalement le concession il m'a dit qu'il devrait t'appeler là quand il démarrait là. Ah ouais, bah attends, Enfin ce que je quand crois, j'ai il laissé le partait portable pour dans je sais pas. le case. J'irai voir ça. J'irai Ah voir. bah va le chercher parce que Ouais, ok, garde attends. le Ah sortir ben, là. Hein. bah. Ouais, je vais, attends, je vais le garder sur moi, je vais le prendre tout de suite. Hop, voilà. Bah attends, je vais juste aller voir la faneuse quand même, à voir un petit peu à quoi ressemble. Waouh, bon, en Ah tout cas, putain. Ah ouais, quand même, ça change de l'autre, hein. c'est du joli. Hein. Ah ouais, là, c'est une combien de toupies, ça? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une 10 toupies quand même. Bon, en Ça tout rigole cas, plus. on a fait une belle affaire. Hein. La Ouais. promo, là, c'était génial. Hein. Nickel, ouais. J'espère que la presse que t'es allé voir là au concessio, j'espère qu'elle sera bien aussi, hein. Bah, j'espère aussi. Hein. J'espère qu'elle sera cool. Ouais. Bah tiens, justement, je crois que c'est lui qui m'appelle. Attends, hop, mon portable. Oui, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Ici Bonjour. la concession. Ah, bonjour. Oui, donc je vous appelais pour vous dire que d'ici ouais, 10 minutes, temps de faire la route, je suis à votre ferme pour vous livrer votre nouvelle presse Krone. Ah d'accord, bah parfait monsieur alors. Ok, ça marche. Bah de toute façon, ouais, on sera dans notre ferme, donc y a pas de souci. Vous pouvez Ok, venir. ça marche. Bon, bah à dans 10 minutes. Hein. Ouais, ça marche. Allez hop, je ferme la porte du case parce que je viens de finir de pailler, la pailleuse est rangée, c'est bon, nickel. Parfait, donc Laurent, hop. C'est bon, t'as garé le Ah Dutz avec la ouais. faneuse. Ouais, nickel. Ouais. Ok, ben bah parfait. Ouais, donc normalement il devrait pas tarder à arriver, là ça fait un peu plus d'un quart d'heure là quasiment, 20 minutes presque. Donc normalement il Ouais. devrait pas tarder à arriver avec. Je suis pressé de la voir la Krone quand même. Voir un petit peu à Les quoi ressemble cette presse. pneus énergie, tu les trouves bien? Ouais, je vois ça, ouais, j'ai vu que t'avais changé les pneus, ouais. Ouais, Ouais, ils sont pas tu les mal. as testés un peu? Non, j'ai pas testé, mais de toute façon on l'utilisera lui pour la presse, hein, on sera obligé. Ouais, C'est le plus gros de ouais. la ferme. Ouais, franchement, ils sont pas mal. Ouais, bon allez. Ouais, donc sinon tout est bien rangé, nickel. Ah ouais, C'est parfait. nickel. Ah bah tiens. Oh punaise. Oh le camion. Oh le Oh, un Mercedes. Mercedes là, comme ta voiture. Ah ouais. Pas Ah mal, c'est pas son mal. bébé ça. Ouais. La voiture c'est son bébé c'est pour ça. Un beau petit klaxon et tout en plus. Ouais. Pas Pas mal, pas mal. mal. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va Bonjour. bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais, donc voici la livraison hein, de la belle Krone. Ah, je vois ça. Putain, elle est énorme. Ah, je la voyais pas si grosse que ça quand même quand tu me l'as montré en photo. Hein. Ah Ouais, mais t'as bon. vu? C'était Oh. pour te faire la surprise et tout, Donc vas-y. avec notre concessionnaire, nous vous offre une palette de filets et une palette de films de Ouais, d'emballage. pour le rubanage. Ah ouais, c'est parfait ça. Bah merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir, parce Ah que bah de rien. ça nous Ah évitera bah d'en vas-y, je vais acheter. chercher le Merlot pour décharger les Ouais, palettes. bah Ah vous décharge voulez que ça. je me replace? Ouais, peut-être Peut-être reculer. d'abord qu'on décharge la Krone, monsieur, déjà, elle est bien là. Ouais, Ouais, bah, il va ouais, je bien. Il pense. faudrait peut-être la décharger déjà. Et après je vous ferai voir où est-ce que elle est l'enrubanneuse et puis la presse après. Ok. Ouais, je vais chercher le T6 alors moi. Je vais lever les Ouais, va rampes. chercher, moi je vais prendre le merlot. Ça marche. Ok, nickel. Allez, je vais chercher le T6. Tac. On va ouvrir la porte. Nickel. Alors. Il démarre, c'est parfait. Hop, on va enlever le frein à main. Voilà. Tac. Alors du coup.
Ouais, Laurent va... Ah, c'est bon, il arrive à passer avec le merlot là. Ouais, il aurait peut-être dû essayer de l'autre côté. Parce que là, ici, c'est plus dur quand même. Ah, s'il a réussi à prendre la palette, ah bah nickel. C'est parfait. Moi, j'ai... Voici, je vais passer par là aussi. J'aurais dû pousser le casse peut-être. 5. Putain, elle est énorme. Franchement, je la voyais pas si grosse que ça. Laurent m'avait montré des photos. Je la croyais pas si grosse. Je vais ouvrir ça pour que je puisse l'entendre. Tac. On va ouvrir. Oui, mais je suis reculé. Par contre, faites attention, hein, parce que Ouais, les ouais, rampes ouais. sont assez vieilles. Je vois ça. Bah, Oh, surtout qu'elles punaise, hein. sont... Il y en a qui sont cassés, hein. Doucement, monsieur, doucement. Oh, monsieur. Avancez, attendez. Elles sont Vous êtes... assez étroites. Ouais, Attendez. elles glissent aussi, parce que on l'a lavé hier, et puis ça a mal... Non, non, mais c'est qu'il faut que A je me mal redresse un sauté. petit peu. Hop. Voilà, on va Ah, redresser fais tout gaffe, ça. Benji, hein. Faut pas dépasser les 5 km/h. Ah non, là, vous êtes foutu, monsieur. Ah, Faut Benji, tu veux vraiment pas que je le être au millimètre fasse? près. Non, ça va être bon, ça va être bon. Ok. Doucement, doucement, monsieur. Attention, hein. Allez-y. Avant, reculez. C'est bon, stop. Alors, je vous mets ça. Hop, c'est bon. Ouais, nickel. Ok. Je vous mets pas les flexibles, hein, ça. Non, non, c'est bon. Doucement, doucement. Ça Nick. passe? Oh, la beauté. Vas-y, top, c'est bon. Attends, je pousse ça un petit peu pour pas que ça gêne. Hop. Ah ben voilà, c'est nickel ça. Putain, il est magnifique, hein. Ah ouais, Oh, le T6, il est franchement. petit quand même à côté. Ouais, à mon avis, il doit être limite, mais je pense qu'il doit l'attirer. Oh, ça devrait être bon quand même. Ah, c'est une Donc, belle si... presse. ouais, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup d'agriculteurs, même d'entreprises ou de Cuma qui nous la commandent en ce moment. Ah ouais? Ah, c'est vrai qu'elle est bien parce qu'elle enrubanne directement après et ça c'est Ouais. parfait. Bon, Et c'est ça encore, qui fait qu'elle est grosse, hein. vous pouvez botter la paille avec, hein. Ah ouais, Il on peut suffit faire de juste de la paille avec. désactiver sur l'écran de bord, faut désactiver l'option pour enrubanner, quoi. Ah bah Puis... c'est parfait ça alors. Ok. Bah c'est super ça. Si on peut en désactiver l'option pour enrubanner. Oui. C'est pour ça qu'elle est grosse, hein. C'est parce que là je... Là on peut ouvrir les portes là je suppose. Oui, attendez, je vous montre la manette devant vous, là. Ok. Hop. Ah Voilà. ouais. Ah ouais, il y a Vous avez une carrément les petite petites lumière. LED et tout. Oh la Oui. vache, elle est énorme. Franchement super. Oh et là il n'y en a pas beaucoup à ce que je Par vois. contre, faudra... Enfin, nous, on l'a graissé ce matin. Ah ouais, elle est graissée et tout, tout est Ouais, prêt. ouais, Bah, ouais. c'est Et on nickel a alors. mis une petite... un petit truc de film à l'arrière. On en a déjà Ok. mis un. Là il y a quoi? Ouais, là il y a Là, c'est encore pour un. le filet, ça. C'est à Ouais. l'avant, c'est le filet, à l'arrière, c'est l'enrubannage. Ok. Sinon, faut pas dépasser les 15 km/h avec. Hein. Sinon, Ouais, il y a des en... risques de bourrage. Ah ouais, bah je pense aussi, même si, attends, Par contre, j'ai... vous allez voir aussi quand, genre, quand si vous bottelez en mode rapide, si vous êtes en train de faire de l'herbe ou du Ouais. foin, n'importe, quand si vous êtes en train de botteler de l'herbe et que c'est enrubanné en même temps, votre tracteur il va ralentir, quoi. Ah, je vois qu'il y a des filets de mie, là. Je vois ça, là, que vous avez mis les filets et tout. Ah ouais, nickel. Ah Donc ouais, si c'est votre... bien de monter en haut, là. Ouais, bah, comme ça, au moins, ça permet de mettre les filets, là. Parfait, ça. Ouais. Je regarde un petit peu l'état qu'elle est. Bon, elle est neuve, hein. C'est ça? Oui. Ouais, ça se voit. Et il t'a expliqué et tout, il y a des clés, ça marche comment pour ouvrir ces portes Non, là? non, c'est juste, t'as un petit clapet en dessous. Attendez, je vais descendre, hop. T'as juste un petit clapet en dessous et puis ça s'ouvre, regarde. Tu vois, là, t'as une petite manette. Ouais. Tac, et puis ça s'ouvre. Ah ouais, c'est génial ça. T'as vu, là, on voit les hydrauliques, là, je vois qu'il y a Ouais. des câbles hydrauliques et tout, et puis... On peut pas passer le karcher. Non, faut peut-être mieux éviter. Ah Ouais, bah oui. il y a un peu d'électronique, hein, faut faire attention. Hop. Ah ouais, bah, Attendez, j'imagine, ouais. juste voir ce qu'il y a sous cette porte-là. Donc l'avant, c'est comme je Ah vous oui, ai ouais. dit, c'est l'avant, c'est au niveau du filet et à l'arrière, c'est Ok, donc l'enrubannage. ça c'est pour la presse, et puis ça, ce qu'il y a là, là, c'est pour les recharges pour la... L'enrubannage. pour l'enrubannage. Ok. Voilà, Ah, tout à nickel. fait. Parfait, bon, c'est pas compliqué à apprendre, alors. Non. Ça va se faire à force. Et par contre, il faut l'agresser tous les 50 ballots. Ouais, ok, bon, ouais. Ça marche, on s'occupera de l'entretien et tout. Ne vous en faites pas pour ça, on s'occupe bien de notre matériel en général. Bon, bah, en tout cas, merci monsieur de nous l'avoir Bon livré, bah hein. de rien. C'est nickel. C'est Sinon parfait. vous me chargez le matos ou faut que je m'en occupe? Bah on va... Mon collègue Non, va non, vous on va le aider. faire. Ouais, On on va va le vous faire. aider à charger tout ça. Ok. Bon, c'est bon, on vous a chargé là, nickel. Ouais. L'enrubanneuse et la presse, c'est Ah, fait. nickel. Bon, bah maintenant, vous n'avez plus qu'à faire bonne route hein, jusqu'au concessionnaire, alors. Oh, merci. Bon, ça va, c'est pas trop trop loin. Non. Donc du coup, vous nous virerez directement l'argent sur le compte Ouais, pour... bah je dirais ça à mon chef. Ok, d'accord. Comme ça, au moins, ça sera déduit un petit peu sur la presse qu'on vous a achetée. Ouais. Parce que bon,
C'est un sacré investissement cette presse, donc faut Et en la revendre d'un fameuse autre aussi, côté hein. quoi. Ouais, et la Ah, fameuse aussi faut d'ailleurs. que vous la comptez, je l'ai déposée. Enfin, il y avait votre chef, donc bon, il n'y a Oui. pas de problème. Ouais, donc vous verrez ça avec lui quoi. Enfin, vous aurez juste à, ouais, à nous décompter tout ça et puis Ça marche. voilà. Bon ben tout est chargé, c'est nickel, y a rien d'autre à... Tout est bon quoi. Voilà. Bon, allez, au revoir, monsieur. Ouais, ben merci à vous et puis ben, à bientôt alors. Ouais, au revoir. Allez, bonne Merci, route. au revoir. Au revoir, monsieur. Bon, je fais une Au poignée de revoir. main quand même. Au revoir. Au revoir. Allez, salut. Allez. Ah ouais. Sacré klaxon qu'il a quand même. Ouais. Ah là là. Un beau J'espère petit qu'il a pas camion. cassé la presse. Non. C'est bon, il l'a pas cassé. Il y a du pilote. Il pilote bien quand Ah même. Ouais, ouais. Ah ouais, il doit savoir le bah. conduire son camion, à mon avis. Ça doit pas être Ouais. la première fois. Oui, Bon, bah ça c'est c'est nickel sûr. ça. Ouais. C'est parfait même. Donc comme ça on a notre nouvelle presse, donc c'est nickel. Donc du coup nous on va pouvoir partir faire les foins alors. Ah On fait du foin ou de l'enrubannage? ouais. Enfin on fait le petit champ là comme on avait dit, je vais finir de faner dedans parce que t'avais déjà testé tout à l'heure. Ouais, j'ai déjà testé un peu. Ouais voilà. Donc du coup celui-ci je vais finir de le faner. Et puis donc Ouais, ok. celui-ci on va le faire en foin. Et puis Et donc les autres puis. les deux autres grands là qu'on avait dit là, on les Moi, je vais fera à en côté du enrubannage. BGA. Moi, je vais à côté du BGA, ouais. Je fais de l'enrubanné. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Bon, on recharge pas tout de suite, on verra, je pense Non, que ça va non. tenir. Bah ouais, j'espère aussi. Ouais. Nous, bon, normalement, Ouais, ça ça devrait va tenir. tenir. Ouais. Ça va dépendre du rendement, quoi. Ouais, je pense. Non, ça va, il n'y en avait pas tellement que ça. Hein. Ouais, bon, bah tant mieux alors. Ouais, ben, Ouais, du coup, on va vas-y. y aller. Bon, allez, c'est parti. Ok, nickel. Ah, tiens, Laurent est en train de bricoler. Ah ouais, il doit être regardé en train de vérifier les derniers petits préparatifs pour aller presser. Ouais, ça Ouais, bricole? un peu, ouais, je regarde un peu l'engin et tout, et Ouais, puis. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, bah je vais voir, je vais faire le premier démarrage et tout, je te Ok. dirai si ça se passe bien par la CB. Ouais, ça marche. Ben, moi, c'est pareil, je te dirai si la fenêtre fonctionne bien. J'ai regardé toutes les Hein. dents, là, elles sont en bon état vu qu'elle est Ouais. quasiment Bah ouais, là tout neuve. à l'heure, ouais, j'ai testé juste avant de Ouais, revenir ici. y a eu aucun souci. Ouais, non, non, nickel. Ok, nickel. Ouais, Bon tu verras, ben... c'est un peu moche ce que j'ai fait par contre. Ah ouais, bon c'est pas J'ai grave. un peu fait ça à la va-vite. Ouais, ben t'inquiète, j'y vais. Bon bah allez, on se parle par la CB Allez. alors. Ouais, nickel. Allez, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Allez hop, c'est parti, on y va. Donc on va aller faire le petit champ juste avant le village là-bas. Il n'y a personne, allez, c'est parti. Go! Donc on va aller tester un petit peu cette faneuse, en espérant que ça fonctionne bien. Donc là, il y a ce petit champ là aussi qu'on va faire en enrubannage. Bon là, dans celui-ci, à mon avis, on va pas faire beaucoup de bottes, hein. Je pense quelques-unes. Hop. Allez, on y va. Parce que celui-ci, c'est vraiment juste histoire de refaire le champ un peu propre, parce qu'il y avait plein d'herbes qui avaient poussé et tout, donc on va essayer de faire ça propre. Allez, donc l'entrée, elle est là. Ah ouais, ok, elle a commencé un petit peu. D'accord. On va rentrer. Hop. Ça passe, nickel. Alors, on va déplier tout ça. Voilà, ça se déplie tranquille. Je vais me remettre bien. Parfait. On va la baisser. Oh ouais, ça se baisse bien et tout. Nickel. On va activer tout ça. Bon, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment. On va y aller alors. Ouais, ça fonctionne pas trop mal. Nickel. Bon, c'est parti. Alors par contre, vu que celle-ci elle est plus large que l'autre, faut que je m'y habitue un petit peu à la largeur. Oh là, ça glisse un peu là. Le terrain est un peu en pente. Voilà, parfait. Donc du coup, lui, il va partir un petit peu commencer l'enrubannage. Ah ouais, ok, il s'était arrêté là. D'accord. Ok. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et puis je reviendrai refaire cette partie-là. C'était vraiment juste pour la tester, pour être sûr qu'au moins elle fonctionne, parce que vu qu'on l'a acheté d'occasion, elle a servi, bon, pas énormément, mais vu qu'elle a servi un petit peu, il a préféré la tester pour être sûr que ça fonctionne bien au moins cet après-midi. Puis faire ça. Hop. Bon, en tout cas, elle a l'air de fonctionner vraiment nickel. L'herbe, elle va être bien sèche comme ça, donc ça va être parfait. Hop, on va relever tout ça. Voilà, nickel. Puis on va reprendre au bout.
Tiens, on essaye de me joindre à la civi, est-ce que je vois? Ah, c'est Laurent ça. Ouais, Laurent? Ouais, Benji. Ouais, tu me reçois, c'est bon? Ouais, nickel, ça va. Bah, il y a un petit problème là. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un voyant qui s'allumait sur la presse et ça me dit qu'il n'y a plus d'or ébané. Ah, ouais. J'ai regardé dans le coffre et tout et il n'y en a plus. Ah, ok, bah, je vais t'en amener alors. Je vais faire ça le plus vite possible. Là, bah, je viens juste de finir de faner le champ. Donc, je ramène le dot, c'est la faneuse à la ferme et puis j'arrive après. Ok, pas de problème. Sinon, ça va, elle fonctionne bien? Oh, bah. T'as testé milieu. De faire des bottes sans mettre de la bâche? Ouais, j'ai fait des essais là, une sur deux, genre Ruben et ouais, ça marche bien. Hein. Parce que le gars du concession, le gars du concession, il m'avait dit qu'il y avait une petite option comme quoi on pouvait changer, soit on fait de rubanage, soit on pouvait faire du foin. Donc... Ouais. C'est nickel si ça marche alors. Ouais, moi je garde juste ça. Je vais mettre la faneuse ici, comme ça ici elle nous gênera pas. Hop. Bon, du coup, je vais descendre de mon tracteur pour dételer la faneuse et puis je me dépêche et puis j'arrive. Ok, tu viens en quoi? Ouais, je vais prendre mon pick-up, je pense. Je vais charger, ça va loger derrière. Et tu prends bien la palette d'enrubané, hein? Ouais, t'inquiète pas. Bon, allez, j'arrive. Ok, je te laisse. Hop, on va dételer tout ça. Voilà, nickel, comme ça, c'est bien. Allez, on y va. Ouais, donc du coup, je vais aller chercher mon pick-up après. Donc, ce que je vais faire, c'est que le dot, je vais l'emmener par là. Voilà. Mettre juste ici. Là, il gênera personne. De toute façon, il n'y a personne qui a besoin de venir là. Tac. Je vais refermer la porte, peut-être, quand même. Voilà, parfait. Allez, donc du coup, je vais prendre... il va y avoir la Mercedes à Laurent qui va gêner. J'espère qu'il a laissé les clés dessus par contre. Hop, donc j'espère vraiment qu'il les a laissés. Je vais regarder ça. Ouais, il les a laissés, nickel. Donc comme ça, je vais pouvoir monter. Hop. Est-ce que ça va passer là? Ouais, ça passe. Je vais la mettre à côté du pick-up. Ouais, je comprends pas. Il a pas osé de la rentrer ce matin vu qu'il faisait beau. Il s'est dit, il va la laisser dehors. Voilà. Tac. Je vais prendre le pick-up du coup. Voilà, on va reculer tranquille. Voilà, allez, go. On emmène ça en haut et puis je vais charger donc la palette. Ouais, donc c'est la palette d'enrubanage qui m'a bien dit, ouais. Donc ça doit être celle avec les grosses boîtes en carton. Donc c'est pas les filets, c'est l'autre logiquement. Par contre, je vais juste ouvrir ça derrière. Voilà. Pour que je puisse mettre les palettes. Nickel. Hop, ça sert à rien de couper le moteur, je vais m'en servir dans 2 secondes. On va monter dans le Merlot du coup. Hop. Voilà, parfait. Alors du coup, c'est lesquels? Ouais, c'est la première palette normalement. Tac. On va essayer de bien la prendre. Hop, là. Nickel. Donc normalement ouais c'est celle-ci, c'est bien celle-là. Attends, je vais descendre pour être sûr quand même pour bien regarder. Si c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ça c'est. Ouais, c'est les trucs pour mettre la bâche pour les bottes d'enrubanage. Donc c'est bien ça. Parfait. Du coup, je vais mettre ça dans le pick-up. Ouais, je vais la déposer comme ça, je pense. Faudra que je branche la CB dans le pick-up après pour dire à Laurent que j'arrive. Tac, hop, nickel, dans le pick-up, ça c'est parfait. Donc maintenant je vais le reculer, je vais le laisser là. Voilà, parfait, allez, je me dépêche parce que sinon Laurent il va attendre pendant 3 heures et ça va le retarder. Je vais refermer ça du coup. Voilà, ça a poussé un petit peu la palette. Parfait, allez, nickel. Je vais brancher la CB du pick-up, j'espère qu'elle fonctionne toujours. Laurent, tu m'entends? Attends, je me suis peut-être pas bien réglé. Chut, Laurent, tu m'entends? Ah, ça marche toujours pas.
Oh, c'est pas grave, j'arrive. Laurent? Ouais? Ah si, c'est bon, tu m'entends? Ouais, un petit peu, ouais, mais je t'entends pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est parce que je suis avec la CB du pick-up, là. Mais c'était juste pour te dire que j'arrivais. Ah, ok, ouais. Donc t'es quel champ, là? Celui près du biogaz? Ouais, c'est ça, ouais. À côté du Ok. BGM, là. Ben, j'arrive. Là, je viens de Ok. charger la palette dans le pick-up et je suis sur la route pour venir. Ok, ouais, pas de problème. Tac. Allez, hop. C'est parti. Là, on peut accélérer un peu. Tac. Hop, on roule doucement quand même dans les virages, ça sert à rien de se précipiter non plus. Donc du coup, ouais, je vais rentrer. Non, je vais pas passer par le village, je vais passer par la grande route. Parce que sinon, par le village, je vais être retardé plus qu'autre chose. Allez, hop, on trace. Heureusement, il n'y a personne. Ah ouais, ok, donc il est le prix là-bas. Hop, c'est bon, j'arrive. Normalement, c'est là. Ouais, c'est là l'entrée du champ. Donc Laurent doit être par là. Tac. Oh là. On va rentrer doucement parce que là, du coup, vu que c'est un chemin, il y a les mollo. Tac. Hop là. Ah ouais, l'entrée, j'avais oublié que celle-ci était rude. On va y aller tranquille parce que j'ai pas envie d'abîmer ma voiture non plus. Voilà. Nickel. Alors Laurent, il est là du coup. Je vais me mettre comme ça. Je vais ouvrir la porte derrière. Tac. Voilà, parfait. Hop. Alors du coup Laurent, où est-ce qu'il est? Il doit être derrière. Ouais Laurent? Ouais, Ah oui, Benji? dans les tracteurs. Ouais. Alors? C'est tombé en panne là? Ouais, ben là je regarde ce qu'il y a marqué sur l'écran, Il n'y en a plus quoi, c'est ça? ouais. Ouais, je pense qu'il faut que tu en recharges. Ok, ben je vais recharger alors. Ouais, je vais t'aider, je vais redescendre. Ça marche. Hop. Je vais en prendre une. Oula. Nickel. Voilà, parfait. Je vais en prendre une autre. Je vais peut-être réussir à mettre. Je vais peut-être toutes les mettre. Tac. Voilà. Du coup, je sais pas ce qu'il fait, Laurent, là. Hop là. Bon, ça déjà c'est rempli. Il m'en reste encore 4 à mettre là. Et puis après les autres je vais les mettre de l'autre côté. Voilà. Parfait. Nickel. Mal à grimper. Voilà, donc ici comme ça c'est fait, donc je vais pouvoir refermer. Voilà. Et puis je vais les mettre de l'autre côté. Parce qu'il faut en mettre aussi de l'autre côté, je crois. Il me semble qu'il y en a d'autres à mettre. Ouais, faut en mettre là aussi. Parfait. Oh Ah bah. Benji, Ouais. tu veux que je te rapproche le pick-up là? Oh non, ça va être bon. Il m'en reste combien à mettre? Attends. Il me reste juste deux à mettre. Il me reste Ok. seulement deux à mettre et puis je les ai toutes mises de l'autre côté. Et là, ça te dit quoi sur le voyant là? Bah là ça va, il me dit qu'il en manque, ouais. Ouais, il dit qu'il en manque. Enfin, s'il y a une petite jauge, un truc comme ça. Bah non, il y a juste un écran et que c'est vert, après ça redescend un peu. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah, Ah, tu sais, quand il y en a beaucoup, c'est vert et après c'est rouge. Ok, ouais, je vois, je vois. Mais je t'emmène ça, je t'emmène les deux dernières et puis Ok. voilà. Hop. En tout cas, ça a l'air de bien presser. Donc ça, c'est parfait. Voilà.
Allez, une dernière. La petite dernière, et puis ce sera parfait. Voilà, donc du coup, il m'en reste 5 et 5, 6, 10 et 3, 13. Il m'en reste 13 encore. C'est nickel, il y en a, je sais pas combien il y en avait sur la palette. Bon, en tout cas, je pense que ça va faire longtemps là, parce que vu que la presse a été rechargée. Mais par contre, je vais fermer ça. Voilà, parfait. Ouais, c'est bon, je t'ai mis les deux dernières. Ok, tu veux que tu veux me remplacer? Non, non, c'est bon, je vais rentrer à la ferme et puis Ok, nickel. je ferai pour l'autre champ au pire. Bah en voiture tu peux faire un petit tour si tu veux, genre voir un peu l'état des balles et tout, enfin la qualité elle est bonne et enfin tu vérifies un peu. Parce que moi j'ai pas trop touché. Ouais, ça marche. Hop, allez, c'est bon. Je vais laisser repartir tranquillement. Bon, bah, c'est nickel, comme ça il va finir ça. Putain, en tout cas, elle a l'air de plutôt bien ramasser. Il reste pas de foin par terre, donc ça, c'est nickel. Si elle fonctionne bien. Bon, bah, du coup, moi, je vais repartir. Hop. Tac. On va refermer tout ça. Voilà. Je vais redémarrer. Et puis, c'est parti. En tout cas, les bottes, elles ont l'air d'être pas mal, hein, donc. J'irai revoir tout ça après. Allez, c'est parti. Allez hop, je vais ranger le dust du coup. Et puis Laurent, il m'a envoyé un message là comme quoi il avait fini de presser, donc il devrait pas tarder à arriver là d'une minute à l'autre. Hop, on va ranger tout ça tranquillement ici. Voilà, parfait. On va baisser un peu le chargeur. Voilà, donc on a bien bossé encore aujourd'hui. J'étais allé l'aider un petit peu tout à l'heure à presser. J'ai pressé un petit champ. Hop. Bah tiens, je l'entends qui arrive justement avec le T6. Nickel. Parfait ça. Bon, la presse est encore là. Donc c'est ce qui compte. Hop. Ah oui, il veut peut-être la... L'emmener en révision ici. On regarde deux, trois petites choses. Hop. Elle a intérêt à mettre le frein à main là par contre. Ouais, bah ouais, là, ouais, t'as vu, je l'ai mise là pour faire un Ouais. petit peu plus, pour approfondir un peu, voir un peu comment elle est foutue et tout. Ok, bah ça marche, ouais. Tu regarderas tout ça si tu veux. Ouais. Bah, j'y regarderai avec Ah. toi, on regardera tout ça. Voir un petit peu Ok. Ouais, comment elle est, et puis histoire d'enlever un peu la poussière qu'elle a pris, quoi. bah vas-y d'ailleurs. Parce que quand c'est Bon. neuf comme ça, on aime bien quand c'est bien Ah, j'ai entretenu. pas éteint les gyros par contre. Oh, c'est pas grave. C'est pas ce qui Ouais. tire le plus sur la batterie, quand même. Bon, sinon, ça a Ok. bien pressé. Oh T'as bah, sorti quelques nickel hein. bottes. Ah ouais, nickel. Bah, il y a encore pas mal de... Ouais, là, il est bien. Bah là, je l'ai changé juste avant de revenir. Ouais, Il je vois n'y en ça. avait plus et j'en ai pris un peu dedans, Ouais, c'est bon, le rouleau est bien plat encore. là. Ouais.